Voulons lire Psaume chapitre 143. Nous commençons à partir du verset 1. From the first verse. L'Éternel écoute ma prière, prête oreille à mes supplications. Exauce-moi dans ta fidélité, dans ta justice. N'entre pas en jugement avec ton serviteur, car aucune vivant n'est juste devant toi. Amen. Amen. Verset 9. Délivre-moi de mes ennemis, ô l'Éternel. Auprès de toi, je cherche un refuge. Enseigne-moi à faire ta volonté, Amen. Car tu es mon Dieu. Amen. Que ton bon esprit me conduise sur la voie droite. Amen. Hear my prayer, O Lord. Give ear to my supplication. In thy faithfulness, answer me, and in thy righteousness. And enter not in judgment with thy servant, for in thy sight shall no man living be justified. Verse 9. Deliver me, O Lord, from mine enemy. I flee unto thee to hide me. Teach me to do thy will, for thou art my God. Thy spirit is good. Lead me unto the land of righteousness. Seigneur bénisse et de l'oblation. Nous saluons dans le précieux nom de notre Seigneur. Thank you all the precious name of our Lord Jesus Christ. Et Sauveur Jésus Christ. Amen. Amen. Vous avez aussi les salutations de Pasteur Nono, Kassou, de Wilton, de Kinshasa, Frère Nono of Kinshasa, et de Frère Joseph, de Frère Joseph of Atlanta, in United States. De vous saluer. They ask me to greet you all. Amen. Amen. Nous sommes aussi dans la joie de voir notre sœur Peggy. We are also joyful to see our sister Pelagie. Je crois que c'est ton anniversaire aussi. And I believe that is your birthday. Bon anniversaire, que Dieu t'ajoute encore des années. And God may grant you more day and years of good health and happiness. In Jesus Christ's name, our Lord and Savior. Lui qui a su te garder en vie. He who has kept you still alive. He surely have good plans for you. Amen. Amen. Que Dieu soit loué. May God be praised. Car il nous a aussi gardé en vie. For he has also kept us alive. Pour une raison. For a very good reason. Dieu nous a manifesté. God has manifested us. Pour faire sa volonté. In order to do his will. Pour faire sa louange. And to praise him. Pour faire sa joie. And to make his joy. Amen. You can realize how much God was proud to present Job and say, have you noticed my servant Job? On the earth there is no one like him. He provoked the devil in a debate and to tell him, do you think that in my creation there is nothing good? I have Job there. Il est différent. He is different. Il est spécial. He is special. Il est intègre dans toutes ses voies. He is upright in all his ways. David était intègre dans David was upright in the ways of his heart. Dans ses œuvres, il n'était pas intègre. In his works, he was not upright. Mais les voies de son cœur. But the ways of his heart were upright. C'est pour cela qu'il dit. That's why he said. Dans l'écriture que nous venons de lire. In the scripture that we have read. Il pouvait se rendre compte. Psalm 143. Dans Psalm 143. He could realize that.
Il s'est rendu compte qu'il avait subitement des ennemis, that he suddenly had enemies, et que ses ennemis avaient pris de la force, and that his enemy had more strength, à cause de ce que lui n'avait pas été fidèle à son Dieu. Because of him not being faithful to his God. Des fois, nous nous éloignons de la volonté we go astray from God's will for ourselves, et nos ennemis prennent and la force. Our enemies take strength. Parce que nous sommes nous-mêmes sortis de la because protection we have divine. Ourselves come out under the divine protection of God. Et quand on s'en rend compte, and when we realize that, on retourne à lui. We return back to him. Comme Pierre pouvait dire like Peter à Jésus, who said to Jesus, à qui d'autre to whom shall we go, Lord? Il n'y a qu'à toi qui there is only toi to qui you a la vie that éternelle. You have the word of eternal life. Quand nous approchons de toi, when we draw near to nous you, entendons des paroles. Amen. And we are hearing your words. Et dans ces paroles, and in this word, il y a la vie. There is life. Amen. 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 Éternel, écoute ma prière. Prête l'oreille à mes supplications. Exauce-moi dans ta fidélité, dans ta justice. Amen. Hear my prayer, O Lord, give ear to my supplications. In your faithfulness, answer me, and in your righteousness. Dieu est fidèle. God is faithful. Et il est juste. And Amen. He is righteous. Il dit même, he even said, quand les hommes ne seront pas fidèles, when men will not be faithful, lui reste fidèle. He will remain faithful. Il reste fidèle à ses alliances. He will remain faithful to his covenant. Il reste fidèle à ses promesses. And he always remain faithful to his promises. Il ne tourne pas. And he never turn back to c'est them. Quoi? Dans la prière de David, that's why in the prayer of David, il attire son attention, he is drawing his attention à sa fidélité, to his faithfulness, plutôt qu'à lui. Rather than himself. Alors il lui dit au verset 2, so he said in verse 2, n'entre pas en jugement avec ton serviteur. Do not enter into judgment with your servant. Parce que tu vas me trouver coupable. Because you're going to find me guilty. Alors ne perds même pas ton temps. So do not even waste your time. Je reconnais. I acknowledge. Si tu entres en jugement, if you enter into judgment with me, déjà I am already a loser. Mais toi, but you, tu es fidèle. You are faithful. Toi, you, tu es juste. You are righteous. Vous voyez, ça c'est l'humilité. This is the humbleness. Comme mon frère Pascal venait like de dire. My brother Pascal was saying. Dieu résiste aux orgueilleux. God resists the proud. Mais il fait grâce. But he only grants his grace. À ceux qui sont humbles. To those who are humble. Amen. Amen. Et ici David. And here David. Commence sa prière. Started his prayer. À la plus grande humilité. By showing a great humbleness. Il reconnaît que Dieu est juste. By acknowledging that God is righteous. And that God is faithful. Il reconnaît que lui, par contre, but he rather, ne l'est pas. He is not at all. Alors, any of this. Il dit au verset 3, and verse 3 he said, verset 2 toujours, verse 2 car still, aucun vivant, amen, n'est juste devant toi. For in your sight, no one living is righteous. Amen. 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 Aucun. Non. Parce que cela n'a été rendu possible quand Jésus-Christ. This was only made possible when Jesus Christ. Si on only in Jesus Christ. Pas au travers du sang. If God de Jésus, does not keep you under the blood of Jesus Christ, tu peux jeûner. You can fast. Tu peux prier. You can pray. Tu ne seras jamais assez. You will juste. Never Amen. Be enough Amen. Righteous before God. Amen. Amen. C'est-à-dire que la sainteté it means de that Dieu God's holiness élevé, is so high elevated. Même les gens qui n'ont pas une chair even the people do not have the flesh like us. Une chair corrompue. A corrupted flesh. Des gens sans péché. That already without feet, without sin. Se sentent indignes. But they feeling themselves unworthy before him. Vous le voyez. Amen. On you see montre. Them. They are showing us au ciel. That in heaven. Tous enlèvent leur couronne. All of them, they take off their crowns and they put it down. Tellement Dieu est saint. Because God is so holy. Nous n'avons même pas le droit we do not even the right to tête. Put our crown on our heads. Car toi seul for est digne. You are the only one who is holy. Toi et l'agneau. And worthy, you and the lamb.
Vous deux seulement. Only both of you. Personne d'autre. No one else. Alors ils enlèvent leur couleur. And then they take off their crowns. Ils mettent ça au pied. And they put it under the feet of the Lord. It is saint. And they say, holy, saint. Holy, saint. Holy, saint. Holy. Faut que je dise quatre fois. I have to say it four times. Faut qu'on s'arrête pas. So that we may not stop, that's like people say it only three times. Amen. Amen. C'est plusieurs, infiniment. It's saint. Infinitely, he is infinitely holy. Amen. La Bible dit, the Bible says, que le ciel et la terre and the earth sont remplis de sa gloire. Amen. Are filled with his glory. Maintenant, ce que Dieu a fait pour nous, now what God has done for us, il a rempli ça aussi de sa grâce. And he has also filled it with his grace. Pour ceux qui espèrent en son for nom, those who hope in his name, et qui craignent son and nom, those who fear his name. C'est pourquoi on dit que la that's grâce de Dieu, it is written that the grace of God is infinite. Elle est infinie. It's infinite. Dans why? Sa grandeur. It's in its greatness. Pas dans son abus. But not. Amen. Dans sa grandeur. In its greatness. Amen. Oui. Alors, le verset 3 dit. Verse 3. L'ennemi poursuit mon âme. David sait que le diable vient pour détruire et égorger. David knows that the devil can only come to steal, amen, and to slaughter and kill. Il se sent en danger. And he's feeling himself being in danger. Il sent son âme en danger. He can feel that his soul is in danger. Lorsque la protection divine n'est plus sur toi, when the divine protection is no longer upon you, ton âme est en danger. Your soul will be in danger. Alors il dit au Seigneur, then he said to the Lord, l'ennemi poursuit the mon âme. Enemy, amen. Il foule à terre ma vie. He pursues my soul, amen. Il me fait habiter dans les ténèbres. He has crushed my life to the ground. He has made me dwell in darkness. De quelle ténèbre parlez-vous? In what kind of darkness David is talking about here? It's not his light. C'est l'état de son cœur. It's the state of his heart. Lorsque les sentiments du when cœur sont the feeling of the heart is la tristesse, la joie est partie. And the sadness and the joy is gone. Dans le psaume 51, in Psalm 51, il reconnaît he acknowledged qu'il avait perdu même la joie du salut. He even lost the joy of salvation. Ce que Dieu a donné à l'homme, what God has given to the man, is the salvation. Amen. Amen. Lorsque le diable tourmente ta vie, is tormenting your life, la joie du salut, the joy of salvation, tu ne la ressens même plus. You do no longer feel it. Alors tu ne réalises plus. And then you no longer realize. Qu'est-ce que Dieu a fait pour toi? What God has done for you. Alors vous pouvez voir David. And then you could see David. Exhorter son âme. Amen. Exhorting his own soul. Mon âme. Say my soul. N'oublie pas. Do not forget. Que Dieu. What God has done for you. Amen. Que le diable ne te distrait. Do not let the devil to distract you. Par ses attaques. By his attacks. Par des situations. By his situated by the situations and the traps he's putting in your life. Dieu God toutes has en done all things good in its own time. This is what Ecclesiastes said. He said, even parmi toutes les choses que Dieu a fait, all the things that God has done, amen, in its time, il cite seulement une chose. But he only, amen, touched one thing. Il dit, dans le cœur de l'homme, he mentioned that in the heart of man, il a placé he has also la put pensée the thought of eternity. C'est quoi la pensée? What is the thought of eternity? C'est la pensée qui va au-delà is de la chair. Is the thought that goes beyond your flesh? Au-delà de cette dimension. Beyond physique. This physical dimension. Au-delà de beyond ce pèlerinage. This pilgrimage. Au-delà de tout ce qu'on peut beyond comme épreuve all the dans things that vie. You can go through as trials in this life or persecution. Job avait cette pensée. Job had this thought in him. C'est pourquoi il pouvait dire. That's why he could say. Que je sais. I know. Que malgré tout ce que je that vois. Despite all I'm experiencing. Qu'est-ce qu'il voyait? What did he see? Son corps. He could see his body was so sick. Qu'est-ce qu'il voyait? What did he see? Il était abandonné de tout he le monde. Was so forsaken from everyone. Et à la dernière minute, and in the last minute, même sa femme, even his wife, souhaitait son départ. Was wishing his death. Et dit, toi, tu sais comme si tu étais même plus. You is like you even no longer live. Dit,
Tu bloques mon chemin. You see, you blocking my way. Peut-être si tu mourais. Maybe if you die. J'aurais pu me remarier. Then I could get even get married again. Donc, insulte, maudit. Just Dieu, curse this God. Comme ça qu'il finisse, qu'il en finisse avec toi. That he may finish with you. Parce que de toute façon, because no matter what, t'as déjà tué. He has already killed you. Look at you. Regarde. Regarde-toi. Look at yourself. Comme les Nigériens disent, like, look at your life. Amen. Like the Nigerians said, look at your life. Regarde ta vie. Alors il pouvait se regarder. And then he could look at himself. Et il pouvait dire. And he could say, c'est pas possible. Oh, it's not possible. Qu'est-ce qui m'est arrivé? What happened to me? Alors il pouvait retourner au fond. And then he could only go deep inside himself. C'est très important. It's very important. Toutes ces années que vous avez passées à écouter la parole de Dieu, you have spent listening to the word of God, n'était pas en vain. Was not in void. Quand Paul s'est retrouvé dans when les chaînes, Paul found himself in the chains, sachant qu'il allait mourir, knowing that his death was coming near, quand tout ne va plus au dehors, when everything is not going well outside, le lieu de refuge, the only place of refuge, you have to go toi-même. Deep in the bottom of yourself. Comme la torture. Like the torture. Tu rentres. The torture. You parce can là, come. Fond, you can bring even your head inside. Le dépôt de la parole. And because deep inside there is where the deposit of the world is. À l'extérieur. Outside. Il y a les news. You have news. Il y a la réalité. And you see the reality of life. Il y a le climat. And you climate. La situation économique. And the economical situation. Il y a beaucoup de choses. There are so many things. Mais au fond de toi, deep inside, au plus fond de toi, deep in the bottom of your heart, you have the deposit of the word of God. Alors Paul pouvait dire, and then Paul could say, il dit, je sais, I know, en qui, to whom, j'ai cru, I have believed, et je sais aussi quoi, and I also know il what, est fidèle, he is faithful, pour faire quoi, to do what, pour protéger, to protect, pas le corps, not my body, pas tout ça, not all these things, mais le dépôt, but the deposits, of the word that is in me. Parce que c'est là la vie. Because this is where the life is. Quand Dieu a envoyé un prophète, when God sent the prophet of the hour, il a dit emmagasiner. He told him to store le dépôt, the deposit, la parole, the man of the word. Amen. In it, il y a la vie. There is life. Avec la parole, with the word, Dieu a créé tout ce God has created all the things that exist. Parce qu'au commencement, because in the beginning was the word. Amen. And then, cette parole, and this word, tout ce que nous voyons, all that we can see, est venu à l'existence. Came to existence through the word. Parole, the one who has the word in him, il a tout. He has all things. Amen. Amen. Il a tout. He has all things. C'est pour ça que Dieu pouvait dire. That's what Moïse. God could tell Moses. Il dit, mais parle. He says, speak, Moses. Mm-hmm. Amen. Ne crie pas. Do not scream. La parole de Dieu, the word of God, n'est pas dans les cris. It's not in screaming. Amen. Comme ceux qui crient sur les démons, ils pensent like le plus fort le plus les démons. Screaming at demons. They think that the more they're screaming, the more the demons are afraid. La puissance, the power de Dieu, of God, dans sa it's in His word, pas dans la voix, not in your voice, dans le volume, or the volume. C'est la parole. It's the word of God. Celui qui a la parole. The one who has the word of God. Il a tout. He has all things. C'est ça que la Bible dit. That's what the Bible says. Ils étaient dans une grande détresse. They were in great distress. Dieu leur envoya God sa parole. God sent them His word. Et sa parole. And His word healed them. Celui qui a cru. The one who has believed in the word of God. Il ne vit plus selon les réalités. He will no longer live according to the physical reality of this world. Il passe dans une autre dimension. In another dimension, la dimension de l'invisible, the dimension of the invisible. Et là, and there, le prophète de notre the prophet of age said, mais tournez le regard to Jesus Christ. Regardez look at à ce Jésus que to personne this ne Jesus voit plus. That no one can no longer see. Et que seuls les croyants, but only the believers, peuvent voir. Can perceive Him. Regardez look à l'invisible. Look at the invisible. Croyez au supernatural. Supernatural. Sortez des raisonnements. Come out of your reasoning. Sortez des pensées. Come out of your main thoughts.
accepter simplement la parole. Accept only the word of God. Amen. Voilà le croyant. This is what a believer is. Alléluia. Amen. Alors il dit au verset 4. And then it's verse 4. Mon esprit est abattu au-dedans de moi. Therefore my spirit is overwhelmed within me. Mon cœur est troublé. My heart within me is distressed. Dans son sein. Amen. Vous savez, lorsqu'il y a des situations qui when there are situations that is beyond our understanding, et ça ne vient jamais seul, and it never comes alone, tu es très malade, you'll be sick, les lettres de death, and the letters of death will be multiplied. Que des mauvaises nouvelles. Only bad news after bad news. Amen. Alors, hein, c'est un moment. And in some moment. Quand tu étais spirituellement haut, il y avait la force en toi pour t'ériger contre toutes ces choses. Amen. To stand against all these things. Tu pouvais prendre autorité. You could take authority. Au nom de Jésus. And say in Jesus Christ's name. This is not my portion. Mais comme le diable, but as the devil, s'est assuré d'abord, make sure that de mettre beaucoup de condamnation en toi. Make sure to put so much condemnation in you. Il a affaibli ta vie à terre. He has weakened you and put you on the ground. Tu es déjà dans la condamnation. You are already feeling being condemned. And then problems will start coming and falling upon you as rain. Tu ne peux même pas prendre autorité sur un petit démon. And you will no longer be able to take control or to have authority upon a little demon. And this little demon will mock you. They say, can you speak to you? Voyez. And it's in that state. And in that state. Que David dit, that David said, mon esprit amen. Est abattu. That my spirit within me is distressed. Amen. Amen. Mon cœur est troublé is troubled. Dans mon sein. Amen. Within myself. Maintenant il se souvient. Now he remembers. Des jours où il était fort. In the day that he was strong. Où il était en communion. Where he was in good fellowship with God. Où tout allait bien. Where everything was going well. Je me souviens. He said, I remember. Des jours d'autrefois. Days of old. Je médite sur toutes tes œuvres. I meditate on all your works. Je réfléchis sur l'ouvrage de tes mains. I muse on the work of your hands. J'étends mes mains vers toi. I spread out my hand to you. Mon âme soupire après toi. My soul longs for you. Comme une terre. Like a thirsty land. Séchée. Amen. 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 Alléluia. Oui. Il sent le besoin de Dieu. You can feel, amen, the need of God. Comme ça qu'il dit. That's why he said. Il se compare à la biche. And compare himself to the deer. Dit comme elle soupire. As the deer. Amen. Amen. Courant d'eau. Amen. Autant mon âme sent soif. Also my soul pour ta is thirsty of your presence in my life. Mon âme a soif de ta justice. Amen. My soul, amen, is thirsty of your righteousness. Je me sens seul. Abandonné. I can feel myself affaibli. Being abandoned. I can feel weakened. Je me sens loin de toi. I can feel myself far away from you. L'ennemi a de la force sur moi. The enemy has taken control of me. Amen. Amen. Mais il réfléchit. And he thought. Il se souvient. He remembered. Des jours d'autrefois. The days of old. Tout allait bien. Where everything was going. Quand la gloire de Dieu était where là. Where the glory of God was there in his life. Il y a un temps. There was a time. Dans la vie de chaque croyant. In the life of each believer. Un temps de gloire. A time of glory. Où tu te rappelles. Where you can remember. Tu avais l'autorité. You had the authority. Tu avais la puissance. You had the power. Tu priais pour les situations. You could pray for tu voyais les résultats. And you could see the results coming straight away. Mais le diable but the devil a toujours été jaloux. Has always been jealous. Quand il te voit dans cette condition, when you see that condition, il va s'asseoir, he will sit down, fomenter des and make plans for you, pour ta faire evil bien. Plans to make you weak. Et David, and David, c'était l'homme selon le cœur. Was the man after God's heart. Le diable le savait. And the devil knew. Il y a des gens que Dieu aime particulièrement. There are people that God loves particularly. Même quand il est venu dans la chair. Even if when he came to flesh. Tout le monde savait. Everybody knew. Qu'il aimait beaucoup Jean. That he loved so much. The apostle John.
This was not a shame. Ce n'était pas de l'injustice. This was not injustice. Même les parents, even the parents, aiment tous leurs enfants. They love all their children. Mais il y a souvent un enfant chéri. But there is always a dear son or dear daughter. Oui. Amen. Et le diable le sait. And the devil knew it. Maintenant, tous les enfants chéris de Dieu, all the dear children of God, ils sont en plus grand danger. They are even in greater danger. Ils sont la cible du Dieu. And they are the target of the devil. Amen. Parce qu'ils savent, because they know, que Dieu est fier d'eux. That God is proud of them. Des gens de la race de Job. The people of Job's race. Les gens dont Dieu s'est vanté. The people that God, the man, is boastful for. Tu viens d'où? Where are you coming from? De la terre. I'm coming from the earth. Imaginez-vous combien de gens il y a sur la terre. I mean, just imagine how many people are on the earth. Et parmi ces milliards. And among the billions of people. Dieu choisit un nom. God only chose one name. Pour se vanter de son nom là. To boast about this name. Et le diable n'aime pas ça. And the devil doesn't like that. Il n'aime pas ça. He doesn't like that at all. Et ça, il a savouré. That's why he enjoyed. De torturer Job. He enjoyed torturing Job. Des maladies de toutes sortes, des problèmes, diseases, des santé, problems, main pains, main health. Vous savez, quand ton enfant meurt, you know when your child died, quelle douleur ça peut te faire? What pain you can feel? Alors, en un jour, and in one day, one day de la mort you got the enfants, news of death of your own children, ça. They all pass away. Et toi, tu sais, and you know que tu es enfant de Dieu. That you are a child of tu God. Tu sais que tu n'as rien fait. And you know that you have done nothing evil. Mais tu vois le diable. But you see the devil. Aller de victoire en victoire sur ta vie. Going from victory to victory upon your life. Si tu n'es pas élu, if you are not an elect, tu vas maudire Dieu. You're going to oui. Curse God. C'est pour ça que Salomon, that was Solomon, va prier, went to pray, dit, Seigneur, say, Lord, ne permets pas, do not allow, que je me retrouve dans une situation, that I may find myself in où je risque de me dire, mais à quoi sert Dieu? And then I can, serve, I can say, in what serving me to serve God? Et le diable, and the devil, aime beaucoup cette expression. Amen. He loves to hear this expression où coming out of ton Dieu? From the mouth of the children of God. They say, where is your God? Où est le signe de son secours? Where is the sign of his help in your life? C'est quand on te pose des questions. It's when they ask you such questions que tu sais que tu es spécial. That you know that you are very special. Le diable ne s'intéresse pas à n'importe qui. Because the devil does not get interest. To anyone, just like that. Il y a des gens qui peuvent crier, faire beaucoup de bruit sur Jésus, même sur les rails. Il y a des gens qui peuvent crier about Jesus, but the devil is not interested in mais, them. Mais il y a des gens, but there are people, dont le diable sait, and whom the devil knows, sont l'attention de Dieu sur eux. That God's attention is upon them. Donc, tout ce qu'ils font, now all that they do, a de l'impact pour le royaume de Dieu. That's the great impact about the kingdom of heaven. Alors ceux-là, and those ones, le diable les suit. The devil is just watching over them every second. Vous avez déjà regardé dans un match de football? Have you ever watched a football match? Il y a 11 joueurs. There are 11 players. Mais souvent, but often, il y a des noms. There are names. On dit il y a Messi. They say there are Messi. Quand il est dans Ronaldo, le terrain, when they're in the field, quand leur entraîneur de l'équipe adverse, the coach of the adversary team, donne l'instruction, give the instruction, il dit aux défenseurs, he tells his defenders, bon, si vous êtes à 5, if you are 5 of you, 3, 3 of you, concentrez-vous sur make sure lui seul. To concentrate on him, les deux alors, autres là, the two of them, toute l'équipe. Amen. You can amen. Try to protect the whole team. Non, vous allez to défendre defend, contre you're going toute l'équipe. To defend the, against the whole team, but the free. Mais toi, votre attention sur la. Your attention. You have to keep your attention on that man.
Parce qu'on sait que lui marque toujours. Because they always know that vous attendez. He will always call in the moment when you are not expecting. Et nous avons vu des fois des matchs. And we have seen sometimes some matches. Où il y a un grand joueur. When there is a big player. Mais il ne s'est pas bougé. But he could not even move. Partout il va, il y a des wherever gens. Wherever he's going, there will be people around him. Il essaie de le fuir. He's trying to run away. They will be there. Même quand il n'a pas la balle. Even if when he doesn't have the ball. On ne quitte pas les pieds. They will not leave him alone. Mm-hmm. C'est comme ça que le diable garde. This is how. Amen. The devil is parce watching over the dangers. Il sait que s'il rêve, ils vont marquer. He said that if they only dream, they will score. Amen. Yes. They will win a soul. Alors ils sont dans son collimateur. And he will bring all his weapon. Les gens de la race de David. Amen. The people of the race of David. Il a surpris le diable. He surprised the devil. Amen. La Bible nous dit. The Bible is telling que us toute la journée. That all day long. Israël était humilié. Israel was humiliated. Quand David est arrivé. When David arrived. Ça durait déjà des heures. It took so many hours. Que les Philistins. That the Philistines. Se moquaient d'Israël. Were mocking Israel. Pas seulement d'Israël. Not only of Israel. Et de son Dieu. Even their God. Amen. Quand on se moque de toi, on se moque pas seulement de toi. When they're not only mocking you, on se moque de toi, mocking you, de ton église, and your church, de ton Dieu, and your God also. Mais ça c'est pour les gens qui s'identifient. That this is only for the people who identify themselves. Parce qu'il y a des gens qui ne s'identifient pas. Because there are some people who do not identify themselves. Celui qui dit je sais qui je suis. And the one who said I know who I am in God's kingdom. Là tu tes intérêts. You, your interests. Représentant les intérêts du royaume. Representing the interests of the kingdom. Alors. David est arrivé. And then David arrived. Saul était derrière dans la tente. And Saul was behind his tent. Il s'est caché. And hiding there. Et Goliath criait. And Goliath was screaming. Il dit mais Israël. Said he was shouting and saying Israel. On a toujours entendu. We have always heard that. Vous avez un Dieu puissant. You have a mighty God. Que vous avez un roi. That you have a king, a violent king. Mais a warrior. Où sont-ils pour vous défendre? Where are they? In order to defend you, personne, no one could. Et les Philistins s'est moqué. And the Philistines were mocking. Il y avait là, they were there. Des gens avec des titres, des experts en combat, expert in battle. Personne n'a fait that. And no one could act. Mais un petit homme, that a little man, Amen. Young man, un enfant, David, a child. Est venu came. Sans expérience de l'armée, without experience of the army, sans armement, without weapon, mais il avait l'esprit de Dieu. But he had God's spirit in him. Oui. Yes. Dieu dit. God said. Pas par la puissance. Not by Amen. Might. Non. Amen. Pas par la force. Not by Amen. Power. Mais par mon esprit. But by Amen. My spirit. Amen. Amen. Lorsqu'on commence à retourner au fond de soi, when you start to go back deep inside yourself, on retourne dans le dépôt. And you go back in your deposit. C'est ce que David fait ici. This is what David did. J'ai peur, je me sens I seul, feel, en danger, I mon âme alone, est en danger. My soul is in danger. Mais après, I'm distressed. Il and dit, then he says je something. Me souviens des I jours remember fois. The days of old. Il retourne. He went back. Dans les jours où la gloire était là. He went back to the days where the glory of c'est God was in his life. Is to Amen. Go back to the resource. Que son âme to refresh yourself. So that your soul may gain back strength. C'est pour ça que dans la loi de Dieu. That's why in God's law. Dit que cette loi de Dieu. That this law of God. Ne te quitte pas. May not leave you. Médite-la jour et nuit. You have to meditate it day and night. Parce qu'en elle. Because in it. Tire la force. You can draw your strength. Mais nous vivons dans un temps. But we live in a time. Où les véritables adorateurs. Where the true worshippers. Adorent Dieu. Are worshipping God. En esprit. In spirit. Et en vérité. And truth. Amen.
Amen. Et alors, and then, ces gens-là, these people, ne vont pas dans les livres. They do not go to books. Ils vont pas sur YouTube. They do not go on YouTube. Dieu leur a déjà donné God has already given them a deposit. Quand ça ne va pas, when things are not going well, ils cherchent au fond. They go back deep inside themselves. Parce que là, au fond, because in deep inside themselves, the devil covered de beaucoup de couches, de all soucis, of has covered de, so many cares of life, intimidation, and intimidations and diseases péché, and sin, de beaucoup de choses, of many things. Et ça étouffe. And is suffocating. Mais quand ça ne va pas, but when things are not going well, tu vas creuser en you toi. Go and dig. Deep inside. Parce que tu dois d'abord te retrouver. Because you need to find yourself first. Oui, faut yes. que tu te retrouves. You need to find yourself first. Tu te souviens de qui and tu es. Remember who you are. Et quelle relation and tu as what avec kind Dieu. Of relationship you have with your God. Ensuite, tu commences à passer les promesses. You can start to bring up all the promises of God. C'est ce que Samson a fait. This is what Samson did. Samson. Il a été piégé. He was trapped. Il s'est retrouvé aussi avec les moqueries. With so much mockings, il était affaibli he physiquement. Was weakened physically. Ça veut dire la force n'était it plus means là. That his strength was no longer there. Et quand tu es découragé, and when you are so discouraged, tu ne comptes même pas sur l'esprit. You don't even count on the spirit of God. Il était aveugle. He became blind. Il avait troué ses yeux. His eyes were amen. Et là. Et la moquerie avait and poussé grew. Au niveau où on venait le toucher. And when the people were coming and touching him, si tu es prophète, de Dieu, dis-nous qui t'a touché. Tell us who touched et Dieu te révèle qui t'a touché. Let your God reveal who touched you, and they were laughing. C'était vraiment une scène triste. It was a very sad scene. Alors Samson avait deux choix. But Samson had two choices. Soit whether il devait continuer à écouter ces moqueries, continue to listen to these mockings, être détruit, and to be destroyed, rester dans le découragement, and to remain in discouragement, et se dire c'est fini pour and moi, to say everything is done for me now. Mais il a commencé à méditer but sur son Dieu. To meditate upon his God. Il s'est souvenu. And remembered. Mais oui, j'ai péché. Yes, I've sinned. Mais aussi je me but also I can remember que Dieu est riche that God is rich in mercy. Amen. Il s'est rappelé qu'il est compatissant. Amen. That he could remember that God can have compassion. Alors il a accepté une chose. And then he accepted what? Il a accepté la mort. He accepted death. Oui. Si tu as encore peur de la mort, if you are still afraid of death, c'est une faiblesse. It's a weakness. Dans le diable, c'est in which the devil always serve, he will use it against you. C'est lorsque tu n'as plus peur. It's de la when mort you are no longer afraid of death que le diable comprend. That the devil will understand. Qu'est-ce qu'il peut te faire de mieux? It's what can he do? Parce que tout ce qu'il peut faire, all that he can do, c'est t'attaquer dans le is to attack you in the physique. Mais ton âme, but your soul, il n'a aucun pouvoir. He has no power upon it. Amen. Alors lorsqu'un homme a compris, you know when a man has understood this, il parle comme Paul. He will speak like Paul. Pendant que le diable avait tout fait, when the devil did everything, Paul dit, mais qui me séparera de cet amour de Jésus? On this love of Jesus Christ. Même pas la mort. Not even amen death. Il dit, même si les anges descendaient du ciel pour descend from heaven pour venir ici, and to come here, il dit, ne saurait pas me séparer. Will not be able to separate me from the tel love of est Jesus le niveau Christ de la révélation. Such is the level of the revelation that I have for this Jesus Christ. Amen. Restez pour dire au diable. It was to tell the devil. Laisse tomber. May just amen leave it. Yes. Amen. Amen. Job a dit. Job said. Même si even if m'envoie les ulcères, amen, you say, tout mon corps, amen, all these diseases and to destroy my body, je meurs même en terre, and I can even die and be buried. Il reste seulement les os, and I only have my bones left. Même ces os là, even those bones, entendons la voix de Dieu, we hear God's voice, et reprendons vie, and they will come amen back to life. Amen. Amen. Amen.
Amen. Ça, c'est des véritables croyants. These are the true believers. Amen. Amen. C'est de tels adorateurs que le Père. Such a man worshippers the Father is looking for. Le piège du diable. The trap of the devil. C'est lorsque l'homme a peur de la mort. When a man is afraid of physical death. Amen. Je ne veux pas vous dire que je n'ai pas peur de ça. I do not want to tell you that I'm not afraid of it. Mais vous savez, but you know, notre Dieu, our God, il fait des choses. Does things. Il a fait aussi que nous puissions aimer la vie. Amen. He has also made us to love life. C'est pour ça que tu vois. That's why you see. Même les animaux, even the animals, les insectes, the insect, ils veulent garder la vie. They all want to keep life. Ils n'ont pas l'intelligence. They do not have the intelligence. Ils ont l'instinct. But they have the instinct. Tu vois une mouche, elle est en même si elle savoure le sucre là. They say even if they saw a bee. Dès que tu avances ta main, enjoying the sugar, if you push and try to keep, they say they will run away. Face à fuir. Amen. Voyez, c'est pour vous dire qu'il y a cet instinct de survie. But there is this instinct of survival. Mais la révélation, but the revelation de notre Seigneur, of our Lord, va au-delà de ces choses. Has brought us beyond these things. Et ces gens-là avaient cette révélation. Had this revelation. Alors ici, Samson dit. And here Samson said, pendant que tout le monde dehors, where everybody outside, se moque de lui, were mocking him. Alors il se souvient. And then he remembered. Comme David vient de le like faire. Like David did it here. Il dit, alors je me souviens des jours d'autrefois. Then I remember the days of old. Les jours où the j'étais en parfaite communion avec toi. I was in perfect fellowship with you. Le temps où je pouvais dire une chose. The time where I could say one thing and I see it being fulfilled. Je me souviens de ça. I remember these days. Amen. Après, il se souvient. And then he remembered que Dieu est le même. That God is the same. Yeah. Yesterday, aujourd'hui, today, éternel, and forever. Amen. Après ça, il se souvient encore. And then he remembered again. Il renouvelle ses grâces et ses bontés chaque matin. That he can renew his grace and then compassion every morning. Et il continue à se souvenir. And he could continue il se to remember. Remember. Le plus il se souvient, the more he remembered, le plus son the âme, the more his soul, prend de la force. Amen, was renewing his strength. Amen. Tout le monde pouvait frapper Samson. Everybody could might struck and slap him. Tout le monde pouvait le voir agiter. Everyone could see him be agitated. Mais à ce moment, but in some moments, il voit qu'il ne réagissait plus. He stayed calm. Il est retourné he en lui-même. He did not react anymore and he went back within himself. Il a commencé à and he started to dans see les dépôts a man in the deposit of his et de la faith and of the revelation de Dieu that he had of God. Alors il a dit, Seigneur, and then he said, Lord, j'ai péché. I've sinned against you. Vous savez, il n'y a pas you know, pardon de péché no sans repentance. Tous les gens all the qui veulent retourner en paix avec want Dieu to return in peace to be peace with God, they all have to go for repentance. Reconnaître and to oui, acknowledge Seigneur, that Lord, I have sinned against you. Ce que j'expérimente maintenant, what I'm experiencing now, c'est pas ta faute. It's not your fault. C'est moi. It's myself. Mais Seigneur. But Lord, je suis toujours ton fils. I am always your son. Amen. Je suis toujours ton I fils. I am always your son. Amen. Tu ne rejettes pas. You do not reject forever. Seigneur. Lord, je te demande une seule chose. I ask you one thing. J'accepte de partir. I accept to go. Je sais. I know que j'ai échoué dans cette mission. I failed in this mission. Mais but j'ai besoin d'une dernière faveur. I need one last favor. J'ai besoin I need d'une faveur. A favor. Une seule. Only one. Last one. Pour la dernière fois. For the last time. Fais-moi une grâce. Amen. Grant me a grace. Amen. C'était sa prière. That was his prayer. Fais-moi. Grant me faveur. Your grace. Give me a favor. Je vais partir. Grant me that. I want to go. Mais lorsque je pars, but when I will go, toutes ces voix que j'entends se moquer de all moi. All these voices that I'm hearing mocking tous me. Tous mes ennemis. All my enemies.
Je veux les emporter. I want to bring them with me. Dieu le lui a accordé. And God granted him this. Dieu le lui a donné. God gave. C'est pour ça que on doit faire attention. That's why we have to be cautious. Lorsqu'on a affaire à un élu. When you're dealing with an elect. Il avait péché. He sinned. Il était dans sa situation. He was in his situation. À cause de sa désobéissance. Dans cette désobéissance. By disobedience. Il a demandé à Dieu. He asked to God. Lui donner ses ennemis. To give him his enemies with him. Et Dieu le lui a accordé. And God granted him this. Tout le monde everybody se disait saying, sa force his strength, c'est dans ses cheveux. Is in his hair. Et comme on lui a coupé les cheveux, and because all his hair been cut off, il en est fini pour lui. All is done for him now. Dieu n'est pas limité. God is not limited. Amen. Amen. Dieu n'est pas limité. God is not limited. Amen. S'il peut faire qu'une femme à qui on a enlevé la matrice puisse concevoir, if we can make that a woman where the womb of the woman is being taken off, elle tombe enceinte. She will fall pregnant. Et elle a un enfant. And she will bear a child. Mais l'organe, but the organ, qui fait qu'une femme porte la femme, that, a été that makes the woman to bear a child has been taken off. C'est un tel Dieu. Is such a God. Est-ce que nous avons vraiment la révélation? Do we really have the revelation qui il est, of who he is, quoi il est capable. Of what he is capable of? Amen. 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 Alors, then, Samson a dit, say, Seigneur, Lord, je veux partir I want to go now. Mais je vais amener tous but mes I ennemis. Want to bring all my enemies with me. C'est ce que Jésus a fait à Golgotha. This is what Jesus did in Golgotha. Quand il a tout fait, when he did all things, il dit, Père, he said, Father, maintenant je dois partir. Now I have to go. Mais il savait but he knew, qu'en partant, but by going l'enfer, all in hell, devait aller avec lui dans l'enfer. Amen. They have to go with him. Dans les séjours des morts. In Sheol. Il les a amenés là-bas. He brought them in Hades. Et puis il est sorti. And he went out. Il les a laissés là-bas. And he laid them there. Amen. Il est allé, il a récupéré les and clés. He went and took back the keys. Il a dit à tous ceux qui étaient retenus captifs. He said to all who were a man returned captive. Parce qu'Isaïe avait déjà dit. Because Isaiah already il said. Il est venu. He came pour envoyer libre. Free tous les opprimés. All the oppressed. Tous ceux qui étaient retenus en prison. Those who were retained in prison. Parce qu'ils avaient peur de la mort. Because they were afraid of death. Rappelez-vous de ceci. Remember this. La menace du diable. The threat of the devil. C'est la mort. Is death. Quand tu as peur de la mort. When you are afraid of death. Le diable a le pouvoir sur ta vie. The devil will have power upon your life. Mais quand tu n'as plus peur de la mort. When you will no longer be afraid to die. Avec quoi il va te guider? And to what is going to worry you? Parce que tout ce qu'il peut faire. All that he can do. Attaquer ta chair. Is to attack your flesh. C'est tout. That's all he can do. C'est pour cela que quand à la fin. That's why when at the end. 1 Corinthiens 15. According to 1 Corinthians 15. On nous montre. Showing us. La, le dernier the last enemy. Ennemi, amen. Qui sera détruit. Who will be destroyed. C'est la mort. Is death. Amen. C'est pour ça qu'il est le tout dernier. That's why he will be the last one to be destroyed. Et Dieu promet. And God is promising. Cet ennemi that là, even that enemy. Il va l'enlever. He is going to be taken away of the way. Alors nous allons commencer and then aussi. We're going to also comme say. Goliath le faisait. Like Goliath was doing. À narguer la mort aussi. Amen. 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 To et walk death. Mort. Say, oh death. Où est ton ennemi? Where's your sting? Viens essayer de me tuer. And come now and try to kill me. Parce and que see. Je suis immortel. Because amen. I will be immortal. Amen. Amen. Je suis éternel. I am eternal now. Amen. 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 C'est des tels croyants. These are such believers que le that the Father is seeking. Amen. Amen. Mais remarquez une chose. I noticed one thing. Lorsque le Seigneur est venu, when the Lord came, prenez dans Matthieu 23. Let's take in Matthew 23. Le verset 13.
verse 13. Amen. Amen. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites. Woe to you, scribes and Pharisees, hypocrites. Amen. Amen. Qui sont les scribes? Who are the scribes? Qui sont les pharisiens? Who are the Pharisees? C'est les religieux. These are the religious people. Amen. Amen. Le Seigneur, the Lord, Dieu, God, est venu sur la terre. Came on earth. Et les premières personnes à qui s'est attaqué, c'est les religieux. The first people that he was attacking were the religious people. Il a dit, he told, je suis pas venu pour les bien portants. I did not come for those who are well. Mais je suis venu pour ceux qui sont but malades. But I only came for those who are sick. Les gens qui ont besoin de Dieu. The people Amen. Who are in God's need. Avoir besoin de who Dieu. Who have God's need. C'est pas la confession. Amen. To have need of God c'est is not to confess. It's the state of your soul. Alors il a dit, malheur à vous scribes. Say woe to you. Les scribes. Scribes and Pharisees. C'est les gens qui sondaient les écritures. The scribes were the people searching the scriptures. Ils étaient dans les étymologies. They were in the etymology. Vous entendez beaucoup de gens qui prennent un mot et vous dites, allons dans la signification en grec et en hébraïque. Of that in Greek and ils vous amènent là-bas loin. Hebrew, and it will take you far. Quand vous ramènent, il va changer déjà la signification. He has already changed the meaning of this verse. Parce qu'il va aller amener ça because dans des langues que vous ne connaissez pas. To the languages that dit, dans cette langue, c'était see, si ça voulait dire ça. Was, it meant this and dans that. Leur temps, c'était and ça. In their time, it was that. Et quand vous revenez, and when you come back, vous avez perdu votre support qui est la parole de your Dieu. Support, which is the word of God. Là, il peut maintenant vous manipuler. And now dans we n'importe can start quelle direction. Manipulating you in any direction les he wants to take you. The scribes. À Kinshasa, Kinshasa, il y a un frère qui prêche le message. He preaches the message. Il a beaucoup sondé les Écritures. He has searched a lot of the scriptures. Après, il s'est égaré. And then he got lost. Mais ce frère-là and his brother passe à la télévision. Is going on TV. Et il nargue les prédicateurs. And he is mocking the preachers. Il invite les prédicateurs sur les plateaux de télévision. On the TV platform to have argument with et pour discuter avec cet homme-là, and to argue with this man, Dieu doit te faire grâce. God has to grant you grace. Il est très fort dans la lettre. He is so strong in the letter. Vous voyez, mais il est égaré. That is alors not, le Seigneur dit, gone astray. Scribes et pharisiens. Scribes et pharisiens. Hypocrites. Les pharisiens. The Pharisees. Eux, c'est la loi. Them it's the law. For them ils it's the law. Connaissent la loi. They know the law. Dans les moindres détails. In and out. Et ils la suivent de près. And they follow it. Amen. Closely. Pas pour leur vie. Not for their own life. Ils sont policiers. They are policemen. Ils surveillent la vie des autres. They amen. Watching over all the people's vous life. Tu as violé say, la loi. You are violating the law. Tu as violé you la are loi. Violating the law. Tu ne devais pas dire ça. You should not say that. Tu ne devais pas lui dire bonjour. You should not say hey to that one. You should not look at that. And this Sabbath, you should not even buy this. Ils sont comme ça. This is how they are. Amen. Amen. Alors il dit, parce que vous fermez aux hommes le royaume des cieux. Amen. For you shut up the kingdom of heaven against men. Vous n'y entrez pas vous-même. For you never go in yourselves. Et vous ne laissez pas entrer ceux qui veulent entrer. Nor do you allow those who are entering to go in. Il y a des gens comme ça. There are people like that. Lui-même himself ne veut pas entrer. Doesn't want to enter. Mais il ne veut pas non plus que quelqu'un d'autre. And he doesn't want anyone else to enter. Alors ces gens-là. Now those people prennent la loi. They take the law comme épouvantail. Amen, like a trap. Tu ne diras pas. You should not say, you should not touch, you should not do. You do they will strike. À la fin, at the end, les croyants faibles ne savent même plus bouger the believer will no longer even know how to turn his head. He's stuck. Mais lui-même qui dit pa. By himself we say this and that and that and that. Il ne pratique pas. He does not practice this. Vous voyez?
Et le Seigneur dit, and the Lord said, malheur à eux. Woe to them. Mais, but, cela n'empêche, this, qu'il y a une race. Amen. That there is a race des élus, of the elect, des gens que Dieu a acquis au prix de son propre sang. That the Lord has acquired by the price of His own blood. Ces gens-là, those people, ne suivent aucune discipline, they do aucune not catégorie, n'appartiennent pas à une dénomination, and they do not belong to any denomination. C'est une race élue. But these are a race of the elect, those who have been set apart. Amen. C'est pour ça qu'ils ne sont pas reconnus par aucune organisation. That's why they are not recognized by any organization of men. Ils font partie d'aucun club. They are not belonging to any club. Ils appartiennent à association. Amen. But they only belong to God. Autant d'Élie, in Elijah time, même Élie ne les connaissait pas. Even Elijah did not know them. Amen. Il a dit moi, he said, le représentant légal de Dieu. Who is representing a man the whole heaven on earth? Dieu I am the non. only one left. God told him no. Qui t'a donné cette information? Who has given you this information? Dis-moi dans ta vie. He said here in the same city where you are. I have 7,000 people qui n'ont jamais fléchi who have never bowed down their knees before the God of God. And then Elijah asked the question, where are they? Dans la même ville. They were in the same city. Sont là. Amen. They were there. C'est pour cela. That's why. Dans les choses de la foi. In the things of the faith. Il faut toujours rester humble. You always have to remain humble. Parce que tu ne sais pas. Because you do not know. Qui sont dans la ville. Who are in the city. Il y a des Jéhu. There are some Jéhu. Il y a des David. There are some David. There are some people who are special before God's sight. Amen. But only God Himself knows them. Amen. Est-ce que vous comprenez? Do you understand? Amen. Si nous évoluons, if we go before, amen. Amen. Là, on lit encore. Going to read again. Dans Timothée. In Timothy. Non, non, non. Prenons d'abord Romain. Let's start. With Romans. Romains 10. Romans 10. 10. Verset 9. Verse 9. Si tu confesses de ta bouche, that if you confess with your mouth, le Seigneur Jésus, the Lord Jesus, si tu crois, and believe in your heart, cœur, amen, que Dieu l'a ressuscité des morts, that God has raised him from the dead, tu seras sauvé. You will be saved. Amen. Qui croit ça? Who believe that? Amen. Amen. Je vais relire ça encore. I'm going to read that again. Si tu confesses if, ta bouche, that if you confess with your mouth. Vous savez, quand tu confesses de la bouche, il doit y avoir quelqu'un qui l'a entendu aussi. You see, when you confess something from your mouth, someone has heard it also. If you put yourself in a corner and murmuring, no one will hear you. Tu confesses de la bouche, when you confess from your mouth, someone may hear you. It means that you are a witness. Someone must hear you. Si tu confesses ta bouche, le Seigneur Jésus-Christ, si tu crois dans ton cœur, ça on ne peut pas voir, c'est dans ton cœur. Amen. This is done in your heart. Que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Amen. Deux choses. Amen. Tu confesses de ta bouche, confess et tu crois dans ton cœur. With your mouth and you believe with your heart. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice. With the heart, one believes unto righteousness. Et c'est en confessant de la bouche. And with the mouth, confession, qu'on parvient au salut. Is made unto salvation. Selon ce que dit l'Écriture. All the Scripture says. Quiconque croit en lui. Whoever believes on him. Will not be put to shame. Deux choses. Two things.
croire du cœur, believing of the heart, ça t'amène à la justice de will Dieu, bring you to God's righteousness, confesser de la bouche, and confessing from your mouth, ça t'apporte le salut. It's bringing salvation to you. Deux choses importantes. Two very important things for the believer. Verset 12. Verse 12. Il n'y a aucune différence en effet. For there is no distinction between entre le juif, Jew, et le grec. And Greek. Pourquoi? Why? Puisqu'ils ont tous un même for Seigneur. For the same Lord over all is rich. Qui est riche to all pour tous ceux qui l'invoquent. Amen. Amen. To all who call upon His name. Car quiconque invoquera le for nom de Dieu. For calls on the name of the Lord. Sera Amen. Sauvé. Amen. Amen. Shall be saved. Quiconque invoquera. Whoever calls on the name of the Lord shall be saved. Au départ, nous avons dit. The beginning we said. Ils étaient dans la détresse. They were in distress. Ils crièrent au Seigneur. And they cried out to the Lord. Il leur envoya sa and parole. He sent them his word. Et sa parole les guérit. And his word healed them. Il y a toujours une bonne nouvelle. There is always a good news. Vous connaissez l'histoire du général Naaman? You know the story of General Naaman? Il était très malade. He was so sick. Il avait l'argent. He had a lot of money, mais pas la guérison. But not the healing. Et il a cherché cette guérison. But he saw this healing. Il l'a pas trouvé. He couldn't find it anywhere. Mais on lui a donné une information. An information, a very il a fallu que quelqu'un ouvre la bouche. Someone had to open his mouth. Quelqu'un a ouvert la bouche. Someone opened his mouth. Il lui a dit. Amen. Told him il y a un homme. That there is a man. Amen. Amen. Qui a un Dieu. Who has a God in my land. C'est un homme it was a man qui a un Dieu. Who had a God. Tu ne peux pas parvenir à son you Dieu reach his sans God rencontrer cet homme. Without meeting Amen. This man. Amen. 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 Donc il fallait voir Élisée. So, Elisha must be seen. Si tu ne le vois pas, if you do not tu n'as pas accès him, à son Dieu. You will not have access to his c'est God. Pour cela que dans cet âge, in this age, les gens devaient reconnaître the people had to recognize comment Dieu nous a visités. How God has visited us. Si les gens ne reconnaissent pas and ça, if people does not acknowledge c'est vrai que le diable it's true that the devil va entrer dans cet is genre going to enter in some men pour éclabousser and try, amen, to scramble, amen. Ils l'ont appelé Jésus Christ. To crumble, amen. They called him Jesus Christ. Mais c'est toujours les stratégies du diable. These all these are just the strategy ce of sont the les devil. Épouvantails. These are like traps. Pour faire peur aux and gens. To make people to be afraid, not to believe to the man of God. Dans les champs. You know, in the field. À cause des oiseaux qui viennent abîmer. Because of the birds that come champs, to destroy the field, the seed, or the harvest. Les gens mettent des épouvantails. And people put some trap. Amen. C'est des choses qu'ils fabriquent avec le these bois the people they fabricate with ils leur donnent la forme d'un homme. And they give them the form of a man. Et quand les oiseaux and when the birds join near flying when they see that from afar, ils pensent que c'est un homme. They think that it's a man. C'est ça qu'on appelle l'épouvantail. That's what is called, yeah. Ça fait peur de loin. It makes you to be afraid et from afar. Il ne représente aucun danger. And it's not representing any danger. C'est comme le diable. It's like the devil. C'est un épouvantail. It's just like someone is like he's roaring like lions, scary people. Ça fait 2000 ans and it's about 2,000 years ago that he's been acting like that. Et il fait toujours beaucoup de dégâts. And he's making so many damages gens qui n'ont pas encore compris for the people who have not yet understood la foi that the faith rend le diable comme l'épouvantail. Makes amen. The devil as a trap, look like a trap. Parce que par la foi. Because it's by faith, the Lord said, ne craignez rien, do not fear anything, for I have overcome the world. He said, behold, the victory that overcomes the world. He said, is your faith, is your faith. Lorsque vous commencez à croire, it's when you start to believe le diable that the devil will be weakened. Amen. Parce que vous croyez. Because you amen. Believe in God. Amen. Amen. Regardez Romains. Romans.
verset 16. 10, verse 16. Chapter 10, verse 16. Mais tous n'ont pas obéi à la bonne nouvelle. But they have not obeyed all to the good news. Not all of them. Amen. Amen. Mais tous n'ont pas obéi à la bonne nouvelle. But they have not obeyed the gospel. Esaïe dit. For Isaiah says. Seigneur. Lord, qui a cru à notre prédication? Who has believed our report? Qui a cru à notre prédication? Who has believed our report? Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend. So then faith comes by hearing. Et ce qu'on entend, and hearing, vient de la parole de by Christ. By the word of Christ. Mais j'ai dit, but I say, n'ont-ils pas entendu? Have they not heard? Au contraire. Yes, indeed. Leur voix est allée par toute their la terre. Sound has gone out to all the earth. Leur parole. And their word. Jusqu'aux extrémités du monde. To the end of the world. Mais je dis. But I say. Israël. Did Israel. N'a-t-il pas su? No. Moïse le first, premier dit. Moses says. J'exciterai votre jalousie. You to jealousy by those who are not a nation. Je provoquerai votre colère. I will move you to anger par une nation by sans a foolish nation. Amen. C'est nous la nation sans intelligence. This is what we are, a nation without understanding. Parce que nous étions étrangers. Because we were strangers. Au culte, à tout. Amen. A covenant of God, we were all strangers. Mais Dieu pour rendre Israël jaloux. But to make Israel jealous. Comme vous n'avez pas reconnu le temps de votre visitation. Not recognized the time of your visitation. Je vais exciter la jalousie. I am going, amen. En tournant vers to provoke your jealousy. Sans intelligence. I will turn to a nation without understanding, a nation that did not know me. Eux, them. Reconnaîtront. They will acknowledge me. Je suis Dieu. That I am God. Amen. Alléluia. Amen. C'est pour ça que par rapport à la révélation de Jésus-Christ. That's why, according to the revelation of Jesus Christ, Israël est Israel, par rapport à nous. And they are behind, according to us. Mais ils seront toujours le peuple élu. But they will always be the elect parce people que of God. Dieu ne rejette pas. Because our God do not reject always. Vous savez, il y a des gens. You know the people. Si tu lui fais le mal. If you do evil to him. C'est fini. It's all done. Quoi que tu fasses. No matter what tu you do. Pardon, comment, you ask forgiveness. Ça ne finira jamais. This thing will never finish. Mais Dieu. But God. Il jette à la mer de l'oubli. He put in the sea of forgetfulness. C'est fini. Amen. And that's all. Il s'en souvient plus. He will Amen. No longer remember. Amen. Amen. Regardez le verset 19 dit. Verse 19. Mais j'ai dit. But I say, Israël. Did Israel not know? Moïse le premier dit. First Moses says. J'exciterai votre jalousie. I will provoke you to jealousy. Parce qu'il n'est point une by those who are not a nation, je provoquerai votre colère. I will move you to anger par une nation sans intelligence. By a foolish nation. Esaïe pousse. But Isaiah is very dire, bold and says, j'ai été trouvé par I was ceux found qui by those who did not seek me. Je me suis manifesté. I was made manifest me demandaient to those pas. Who did not ask for me. Vous voyez, Moïse, Moses, Esaïe, Isaiah, tous, all of them. Parlent le même langage. They spoke the same language. Et ils n'ont pas vécu au même moment. They did not live in the same age. Ils avaient le même esprit. But they had the same spirit in les them. Enfants de Dieu. The children of God. Peu importe. No matter what. D'où ils viennent. Where they coming from. Quel coin du monde. Or what corner of the world. De quelle dénomination ils sont what sortis. Kind of denomination they quand came out. Ils sont de Dieu. When they are of God. Le prophète dit. The prophet said. Dieu a mis une profondeur en God has put a deepness qui in them. Qui appelle toujours la profondeur. That we always call deepness. Et la profondeur. And deepness. C'est lorsque ton âme. It's when your soul. Peut s'attacher à Dieu. Can cling to God. Et à sa parole. And to Amen. His word. Amen. Amen. Vous voyez. Au verset 30, verse verset chapitre 9, of chapter 9. Vous regardez tous ces chapitres-là qui se suivent, l'apôtre Paul met l'accent see all these chapters, sur la grâce. Amen. L'apôtre Paul is putting accent on the grace. Ceux qui ont été trouvés par Dieu, those who have
found by God, those who have received the revelation, our man did not seek him from the beginning. And Apostle Paul said, moi aussi, I also seek to seize him, if this is possible, because I have been seized by him. Nous courions, we were running, and we were walking. It's him who caught us on our walk. Selon Ephésiens, according to Ephesians, dit que nous tous we marchons selon les grains de ce monde. The course of this world. Parmi tous ces gens qui courent dans la même direction, were running to the same direction. God only caught you, and He stopped you from this. S'est révélé à toi. Course of this world to die. Après qu'il t'ait révélé, and He revealed Himself to you. And after giving this revelation, He is observing you. Qu'est-ce que tu fais and to see what are you going to do with this revelation. Tu dois faire de ça, and what you're going to do of this. Aussi, it also you. Tu dois chercher à you saisir. Also Amen. Need to seize Him. Comme Paul. Amen. Like Paul did. Paul dit, je cherche aussi à I'm seeking to seize Him. Si cela est possible. If this is possible. Voyez. Amen. Mais si tu as été saisi, but if you have been seized et que tu t'allonges sur une chaise longue, and then you relax on a long chair, j'ai été saisi, c'est said, I've been seized, it's all done. Il y a quelque chose qui ne va pas. Then there is something wrong. Amen. Tu dois chercher à le saisir. You must seek to seize him as well. Amen. C'est une histoire d'amour. It's Amen. A story of love. L'amour ne prend force que si the c'est dans love l'essence. Can Amen. Only be strong if it's done on both sides. Quand l'amour est dans une when sens the sens love idée, is just in one way, ça ne donne pas la vie. It Amen. Will not give life. Amen. Mais Dieu provoque l'amour. It should be attraction, Amen. But God can provoke love in you. T'as aimé le premier. He loved you the first. T'as révélé cet he has revealed you this love. Après, il t'observe. And then he's observing you. Comment tu réponds? How are you going amour? To answer back Amen. To this love? Que Dieu vous bénisse. May God bless you. Amen. Amen. Alors, au verset 14 du chapitre 10 que nous venions de dire. Verse 14. Amen. Of chapter 10. Il dit. Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? In whom they have not believed? Si tu n'as pas cru, if you have not believed, le jour où tu es dans la détresse, the day you will be in distress, tu es sous l'attaque, you will be under attack, tu es dans les problèmes, you will be in problem, distress. Comment tu vas l'invoquer? But how are you going to invoke it? Tu n'auras même pas le courage, you don't even have the courage, force, the faith, the strength. Parce que au départ, because from the beginning, there is a problem with your faith. Il y a des fissures dans there are some cracks in your faith. Et les fissures sont the créées cracks par le péché, are created because of sin and disobedience. Par la condamnation qui s'ensuit. Through the condemnation that follows. Et le diable. And the devil. Te rappelle ça. Will always. Minutieusement. Amen. Remind you. Il va s'assurer de te rappeler de ton péché à tout moment. He will make sure to remind you your sin every time. C'est ça que David dit. That's what David said. Mon péché, my sin, est constamment is devant constantly moi. Before me. C'est le diable qui fait it's ça. It's the devil who does that. Tu veux prier? You want to pray? You want to move? Tu es péché. You are a sinner. You are a sinner. Ta prière sera nulle. Your prayer will go nowhere. Alors. C'était la même chose. And now it was the same thing. Comme on l'a dit pour Samson. Like we said about Samson. C'était même la même chose pour Job. It was even the same thing for sauf Job. Que dans le cas de Job. Except in Job's case. Il n'avait pas péché. He did not sin. Mais cela n'a pas empêché. But this did not stop. Il a quand même offert des sacrifices. Amen. He did not stop. Des péchés dont il n'était pas coupable. To give sacrifices of the sins which he were not. Guilty il a pratiqué l'écriture qui dit examinez-vous vous-même si vous examinez parce que il y a des maladies because des problèmes qui viennent comme épreuve that comes as trials mais le prophète dit il y en a qui viennent aussi à cause du péché that some of them come because of sin now Job, now Job s'est examiné pour voir to see si c'était à cause du péché if this was because of sin et ça ne l'était pas and or if it wasn't alors il s'est dit and then he said to himself peut-être maybe
Mes enfants, ils sont jeunes, ils sortent, they go out there, des choses, they do some things, maybe because of them. Alors il a commencé à payer les sacrifices. And then he was paying sacrifices. Même pour ses enfants. Even for his children. Il s'est assuré qu'il a fait sa part. Seigneur, Lord, j'ai fait tout ce que je pouvais faire. All I could do. Le reste entre tes mains. And the rest is within your hand. Vous savez là où il y a la confusion? You know where is the, there is confusion? Quand vous écoutez la prédication de la semence des discords, to listen to the preaching, the sermon of the seed of discrepancy. Amen. Le diable aime ça. The devil loves that. C'était ce qui s'est passé devant Élie. This is what happened before Elijah and the 400 prophets of Baal. Il y avait une confusion. There was a confusion. On ne savait pas qui a la vraie foi. They did not know who had the same the true faith and who had the true God. Élie savait. And Elijah knew que pour que Dieu agisse, but for God to act, il faut de l'ordre. You need order. Tu ne peux pas dire à Dieu, you cannot tell God, Seigneur, Lord, maintenant agis tout now out, everything is okay. Tu dois commencer par t'examiner. You must, amen, mettre les choses en ordre. To put everything in order. Ensuite, and then, tu pourras dire à Dieu, you can tell God, tout est fait selon ta parole. All things have been done according to your word. Maintenant, now, voilà ta promesse. This is what your promise says. Rien pour arrêter la promesse. Amen. Nothing will be there to stop the rien promise to be fulfilled. Ta foi. Amen. Amen. Nothing will stand against you to disturb your faith. Yes. Dieu n'est pas choqué par la disobéissance ou le péché de l'homme. Disobedience or someone's sin. C'est l'homme lui-même. And the man himself choqué. Who is shocked? Parce que le diable te rend, because te the devil ça sous forme de condamnation. Will just bring it as a condemnation et ça to you. Bloque ta foi. And this will block your faith. Même si tu as une foi, even if you have a faith, une foi intimidée. It will be just an intimidated faith. Et le Seigneur Jésus dit, and the Lord Jesus Christ said, quand vous demandez, when you ask, et que vous doutez en même temps, doubt in the same time, ne croyez pas que vous recevrez quoi que ce soit. Receive anything from him. Ça veut dire automatiquement, it means that automatically, your prayer sans puissance. Becomes without power. Et la voie de la restauration, and the ways of restoration, commencer, is to to identifier, to identify tous les points de condamnation, and all the zone of condemnation, et commencer à s'en occuper, and then and repair each one of them, être délivré, so that you may be delivered. Dans la plupart des cas, in most of the cases, Dieu a déjà pardonné. God has already forgiven. Quand un homme, when a man, se rend compte de son péché, realizes his own sin. Amen. En général, il est déjà à moitié pardonné. In general, he is already been half forgiven. Il a identifié. Because he has identified. Et ça, c'est pas that this is wrong. Ceux qui sont du diable. Those of the devil. Ils n'identifient pas ça. They do not identify c'est such things. Les enfants de Dieu. Only the children of God. Ça, c'est they will pas say bon. That this is not right. Vous voyez? You see? C'est ce que vous connaissez. Un jour, vous allez me dire, ne lis plus ce psaume, s'il vous plaît. One day you will tell me, hein? Stop reading the psalm 32. J'aime beaucoup ça. But I love that a lot. On voit vraiment la voie de la repentance. Because we can read there le schéma the ways of repentance dans ce psaume, le psaume 32. You see everything there, psalm 32. David dit au then verset 1er de psaume 32. Verse 1. Celui à qui heureux celui à qui la transgression est remise. He whose transgression is forgiven. À qui le péché est pardonné. Whose sin is covered. Cet homme-là, this man, est heureux. Is blessed. Amen. Il ne peut pas avoir la condamnation. He can no longer have condemnation. Parce qu'il croit. Because he believes. Pardon. Amen. He believes God's Amen. Forgiveness. He believed in the work of Golgotha. Amen. Verset 2 dit, heureux l'homme. Verse 2, blessed is the man to whom the Lord does not impute iniquity. Vous savez l'iniquité? You know iniquity? C'est péché par incrédulité. Is to sin willingly.
to see by unbelief. Un homme à qui Dieu n'attache pas l'incrédulité. Amen. The man to whom the Lord, amen, does not impute iniquity. Ça veut dire que sa foi est sans fissure. It means that his faith is without crack. Et dans l'esprit duquel il n'y a point de fraude. And in whose spirit there is no guile. Il ne se séduit pas lui-même. He does not seduce himself. Il appelle mal ce qui est mal. He calls evil what is evil and good what is good. Même s'il s'agit de lui-même. Even if it's concerning himself. Il est capable de dire. He is capable to say, this is wrong. This Seigneur, is evil. Péché. Lord, I have sinned against you. Il peut dire à son frère, à he sa can soeur, tell his brother, his sister, I have sinned against you. Amen. Amen. Alors écoutez, verset 3. Verse 3. Maintenant il confesse. Now he confessed. Tant que je me suis When tue, I kept silent, mes os se consumaient. My bones grew old. Je gémissais toute la journée. From my groaning all day long. When he kept silent. Qu'est-ce que le diable fait? What does the devil do? Il te condamne, il te condamne. You condemn, you condemn, you condemn, and you will keep it inwardly. Amen. Amen. Il dit, tant que j'ai gardé cette situation comme ça, when I still kept this situation like this, I was groaning all day long. Car il dit, car nuit et jour, day and night, ta main s'apaisait sur moi. Your hand was heavy upon me. Ma vigueur, my vitality, plus que ses chairs, was turned into the drought of sun. Le découragement, discouragement. Quand vous allez dans Ephésiens 6, when you go in Ephesians 6, où on dit prenez les armes de Dieu, it says, you know, tell you to take all God's armor. On dit de peur que vous ne vous lassiez point. That you should not l'âme découragée. Lest you get discouraged. Parce que l'âme peut se décourager. Because your soul can be discouraged. Tu as prié. You have prayed and prayed. Bien que la condamnation. Now that the condemnation is coming, and the problems coming. Et puis ton âme. And then your soul se décourage. Can be discouraged. Amen. Amen. Et dans Hébreu. And in Hebrews. Là-bas on dit. There it is written, avant de vous décourager, before to be discouraged, considérez Christ, consider Christ, amen, qui a supporté, who sustained, de la part des péchés, amen, who sustained, lui qui était saint, such hostility from this, il a from été the ungodly people, victime d'une hostilité avancée, he was a victim of or such de a hostility from the sinners. Les gens qui n'avaient même pas le droit the people de did not even have the right to open their mouth before him. But it's them pointing their fingers to him. And the men, c'est eux qui l'ont insulté. Crushing him and then insulting him. And they called him an imposter, Belzebub. Beaucoup de noms. So many names. Amen. Alors il dit maintenant, au verset 7. Verse 5. Je t'ai fait connaître mon péché. Acknowledged my sin to je you. Je n'ai pas caché mon iniquité. And my iniquity are not hidden. Il n'a pas caché son incrédulité. He did not hide his unbelief. Et le fruit de son incrédulité. He did not hide his unbelief and the fruit of his unbelief. Parce que l'incrédulité. Because the unbelief est suivi par les actions ou les œuvres de actions of your unbelief. Alors il dit. Je n'ai pas caché mon péché et je n'ai pas caché mon iniquité. To you and my iniquity I have not hidden. J'ai dit, j'avouerai mes transgressions I confess my transgressions to the Lord. Et toi, and you tu as effacé la peine de mon péché. The iniquity of my sin. Dieu n'a pas effacé que le péché. God has not only, amen, forgive the il a effacé aussi only la sin, peine de son péché. But he amen. Has also, amen, forgive the iniquity of his sin. Ça veut dire qu'il n'y a plus de conséquences. It means that there is no more consequences. Par rapport à ce péché. Amen, according amen. To this sin. Alors il dit au verset 6. Ainsi, tout homme pieux. For this cause, every one who is godly shall pray to you in a time when you may be found. L'homme pieux, a godly man, c'est l'homme qui a la vie de Dieu. Is the man who has got life. Amen. Amen. Que cet homme-là,
And this man, de prier autant qu'on may venait. Pray God in a time where he can be found. C'est quand le temps qu'on venait. Where is the time where God can be found? C'est au temps de Dieu. Is Amen. In God's time. C'est quand le temps de Dieu. It's when is God's time? Il faut la conduite. You Amen. Need the leading. Si tu n'as pas la conduite, if you do not have the leading, tu ne connaîtras pas le you temps de Dieu. Will never know God's time. Tous les élus, all the elect, savent. They know qu'il y a des moments où Dieu where there are moments when God peut te sortir même d'un fort sommeil profond. Can make you even to wake up from a deep sleep. Lève-toi. Stand up. Prie. Pray. Amen. Amen. Parce que c'est le temps qu'on verra. Because Amen. This is the due time. Même si toi tu ne savais pas. Even if you did not know. Mais Dieu est fidèle. But God Amen. Is faithful. Pour te pointer le temps qu'on verra. And then to Amen. Show you what the due time is. C'est ça que la Bible dit. That's what the Bible says. That those who put their trust in Him, they will never be put to shame. Quand même, ils ne sont pas capables. When even they will not be capable to identify the due time, Dieu l'identifiera pour eux. The favorable time, God will identify this time for them. Il va leur révéler. He will reveal them what to do in that time. Alors il dit. And then he said, pour cet homme-là. For this man. Il dit. He said. Si les grandes eaux débordent, elles ne l'atteindront nullement. Amen. 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 C'est lui qui cure. For this cause, Amen. Surely in a flood of great waters, the one who prayed in due time, il sera toujours en sécurité. Even when there will be tempest, it will always be in secure, in safe. Dieu protège les siens. God always protects His own. Nous avons toujours entendu. We always heard que le 11 septembre. That the 11th September. September, sorry. Quand on avait bombardé les deux tours. When the Twin Towers were bombarded. Tous les Juifs. All the Jew people. Qui travaillaient là-bas. Who were working there. Ne sont pas venus travailler. Did not go to work. Tous. All of them. Dieu les avait prévenus. God warned them. Mais tous les êtres sont venus au travail comme des moutons. But any other people came to work like sheep. Allant vers les bombes et les bombardements. Amen. Sans aucune idée. They went there without having an idea what's going to happen on that day. Vous voyez? Ça veut dire qu'il faut rester sous la protection de Dieu. That it means that we must remain under God's protection in every time. Il sauve du péché, il sauve du danger, il sauve de la maladie. He saves of sickness et and danger. Conduit tes pas. He leads your path. Moïse l'avait compris. And Moses understood. Quand il a dit Seigneur, that way he said, Lord, si tu ne marches pas, if you do not walk before us, nous n'irons nulle part. We will not go anywhere. Il pouvait dire à Josué. And he could tell Joshua. Il dit, n'aie pas peur. Do not be afraid. Be courageous. Je suis avec toi. I am Amen. With you. Je ne vais pas t'abandonner. I will never forsake you. Partout tu iras. And wherever you je will suis go, avec toi. I will Amen. Be with you. Toi aussi, you also, dans ton combat, in your battle, dans ta marche, in your walk, demande toujours à Dieu. Always ask to God. Es-tu avec moi sur cette voie? Are you with me on this way? Es-tu avec moi? Are you with me? S'il est avec toi, if he is with you, alors tu peux dire comme David. Then you can say like David. Je ne crains aucun mal. I do not fear any evil. Ta houlette et ton bâton. Your staff and your rod. Assure que Dieu vous bénisse. Amen. May God bless you.